Sylvain Rouget, vous allez présenter Delia Dupombereau dans le Quintet dimanche à Vincennes. Que avez-vous pensé de ses débuts au Monté? On va dire, on ne sait pas trop parce que il a été bien sorti au début. Donc la jument était fatiguée au moment de sa faute. Donc est-ce qu'elle a fait la faute parce qu'elle était asphyxiée et cuite ou parce que il a duré de la vapeur, donc on ne sait pas trop. Les hits, tout ça, et avant course, c'était un genre très bon monté. C'était parfait. Donc ouais, là, un peu dans le doute. Voilà. D'accord. Et c'est pas trop. Donc là, vous préférez pour l'instant lui redonner une course à l'attelé, alors. Alors avant peut-être de courir le Cordulier, vous préférez revenir à l'attelé, alors. Voilà, donc ça, c'était prévu avec son programme. Donc là, le jument, le Bourgogne et tout ça. Et le Cordulier après, quoi. Et voilà. Et Cordulier après, on verra le Bourgogne. Mais la jument, voilà, donc on ne sait pas trop. Je ne sais pas trop quoi penser de la course montée. Des villes de montée, on ne sait pas trop. En tout cas, sa dernière course attelée avant était bonne, notre barre. Ah ouais, non, ça, elle a course attelée après 2 mois d'absence, c'était très bonne. Donc, ben, la jument au niveau condition physique, elle est parfaite. Voilà. Maintenant, j'ai un doute sur ses capacités, on va dire, remontées. Voilà. Oui, vous avez plus un doute en vue du Cornulier, mais par contre, pour dimanche, vous devez en attendre bonne performance. Maintenant, on sait que ce jument-là est meilleur sur cette distance-là. Donc, j'espère qu'on n'aura pas le numéro 9. Voilà. Mais à l'issue d'un bon parcours, ça va faire l'arrivée, je pense. En gros, la jument est en pleine forme. D'accord. Elle va remonter sur cette course-là. Bon, bah, la course à clé, on va dire, lui aura fait un travail. En vue de cette course-là, mais non, la jument est parfaite au travail.